Regard sur le handicap, c'est le thème inaugural de cette série de conférences-expositions organisées à Paris en France à l'initiative de Richard Ossomal et moi. Une initiative d'envergure qui intègre l'engagement de l'écrivain humaniste congolais dans l'exercice du droit d'alerte sur la discrimination subie à cause du handicap sous toutes ses formes. Nous avons un programme à partir de l'année 2025 dans le cadre de notre action portant lutte contre la drépanocytose auprès des personnes précaires en Afrique centrale, mais aussi la lutte contre les discriminations à cause de la maladie ou le handicap. Inciter les pouvoirs publics à prendre en compte la mesure de l'humain afin de réduire les inégalités, telle est la substance de ce combat de sensibilisation pour la prise en charge des personnes victimes des discriminations. La première chose pour nous autres qui vivons avec ces maladies, c'est d'abord la discrimination. La discrimination des malades, de leurs proches. On est discriminé, mais on a aussi de l'auto-discrimination. Sous le feu des projecteurs, l'auteur espagnol Giovanna Valls Galfetti, qui dans son ouvrage « Accroché à la vie », partage l'expérience glaçante de sa maladie, ses addictions et son combat intérieur contre le sida. Les récits témoignages, comme les biographies, ce sont des histoires extraordinaires qui ont bouleversé la vie des autres et qui se retrouvent à certains égards dans nos vies, à travers une phrase, une histoire, un paragraphe. Se livrant à la dédicace de son ouvrage, l'auteur espagnol s'accorde à l'axe de Richard Ossomal et moi pour la prochaine campagne de sensibilisation des femmes au Congo-Brazzaville courant premier trimestre de l'année 2025. Je suis vraiment très, très émue d'avoir participé, d'avoir été invitée et je remercie énormément Richard Lemoy et prochain rendez-vous au Congo pour 2025.